veut vraiment être un rôle modèle pour les jeunes filles, qu'elles osent se lancer là-dedans. Alors, je m'appelle Veloria, j'ai 25 ans et je suis connue sur les jeux vidéo sous le nom de Vicky. Notre équipe, c'est une équipe féminine et elle s'appelle les French Bees. On a fait cette équipe féminine parce que justement, on voulait créer un milieu sain. En fait, il y a 50% de femmes qui jouent aux jeux vidéo, mais très peu de femmes qui jouent aux jeux vidéo de manière professionnelle, donc en tant que e-sportive. League of Legends est un jeu essentiellement masculin parce que le public visé était essentiellement masculin. Les femmes ont peiné à se développer. Là, ces dernières années, on connaît enfin un petit essor. Franchement, les choses s'améliorent, les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit. Il y a quelques années, c'était vraiment pas du tout comme ça. On voyait très peu de femmes, par exemple, se montrer en LAN comme on est aujourd'hui. Actuellement, il n'y a pas vraiment de femmes au niveau pour jouer avec des garçons au même niveau. Mais c'est vraiment parce que justement, elles ont eu des barrières. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est les aider à monter, à avoir de la performance. On a des associations qui nous soutiennent, comme Women in Games. On a été prise sous la charge d'une grande structure, qui est Vitality, qui est française. Vitality, c'est comme un club de sportifs, mais sur les jeux vidéo. C'est l'une des premières structures françaises, donc l'une des plus connues. Et jouer pour eux, c'est hyper important, parce que c'est comme si on représentait le PSG, mais sur les jeux vidéo. Du coup, ça met une grosse pression. Le but, c'est vraiment que les gens acceptent les femmes dans les jeux vidéo. Ça ne va que s'améliorer avec le temps, et du moins, je l'espère, et je suis là pour ça.